Salut à tous, c'est Trunken. On se retrouve à nouveau dans Okutonoken 2. On poursuit Raoul qui a enlevé Julia. Oui, j'ai dit Raoul parce que c'est marrant. Chut! Hop là, dégage! On est vénère parce que c'est notre copine, on croyait qu'elle est morte, on l'a retrouvée, il l'enlève. Et pour la baiser en plus, normal. Tu baises ou tu meurs, génial. Hein, je trouve ça moyennement moyen. Où êtes-vous, bande de sociopathes? Et donc on a débloqué le Musou Tensei. Qui basiquement dans le jeu se traduit par le fait d'être invulnérable pendant un temps donné. Voilà. Sautense. Trolala, trolala, trolala. Et je crois qu'on fait sa mère mal aussi. Bam! Voilà. T'as vu, ça dure assez longtemps quand même. Hein. C'est pas dégueu. Hein. Oh, viens là, toi. Oh, my amour, Shinder. Je ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Voilà. Damned, une embuscade. Juste après la première. C'est fou. Et après, il dit qu'il a pas peur, Rao. Et qu'il envoie 250 soldats. Mais... What? Oh, il m'emmerde les arbalotriers là. Boum, toi tu dégages. Oh, il y a un coffre là-bas. Il y a un coffre avec des parchelols. Pardon. Pardon. Rien à foutre, moi je tire dans, je tape dans des barils explosifs. Je suis un malade, je suis un l'héritier du couteau Shinken, je suis un fou. Voilà, tu es déjà mort. Toi aussi. Ah bah voilà, ça c'est fait. Au village de Fudo, mais pourquoi? Porkawa? Oh putain, mais comme bande de casse-couilles. Bon. Alors. Tac, il est où la destruction céleste? Voilà. Voilà. Déjà, c'est mieux. Oh, ça m'a coûté du karma, mais bon. Hein.
Ah, cassez-vous maintenant, bande de tocards. Non mais c'est vrai quoi, les mecs ils m'attaquent en moto, genre lol, c'est Road Rage ou quoi. Sacrifice du démon. Ah tiens. Ah, il a fait un cauchemar. Tu vas mourir, Rao. C'est écrit dans le manga. Lis le manga, tu sauras que c'est vrai. Quel un sacré beau petit cul. Carrément. Ce grand malade. Nani, Yuria sama. Nani tozo, Fudo sama no tasuke o. Katakatte, Fudo no tōsan. Ouais. C'est vrai qu'on te ressemble tous énormément. Ouais, bien. Il va le buter. Et là. Ah bah super. Donc en gros, Rao il veut qu'on ira affronter sa peur. Des petits chiens. Ça tombe bien, j'avais faim. Il y a un peu la même analogie dans Dragon Ball Z quand Majin Buu recueille le chien avec Mister Satan. Yuria-sama. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. このラオウの死弟に勝てぬ。
Ok, d'accord. C'est la méthode Koué, mais un peu extrême. Oh putain, lag. Ok, tout est passé dans sa défense, c'est génial. Encore une fois dans la défense, mais c'est génial. Ah, ça passe. Voilà. Le cri du diable, Taras. Ta gueule, connard. Touché. Bande de bâtards. Ah, le claquement de doigts des enfers. J'adore cette technique. Mais c'est les autres aussi, ils tirent à la baliste quoi, n'importe quoi. Bon, ils sont aussi grands que sa tête, mais... Mais il en est mouru quand même. Oh, occupe-toi de tes enfants avec tes mains. Je
C'est fou, hein. Tomber amoureux de lui. Oh, est-ce qu'on va le battre maintenant? Ce serait bien. Ce épisode va être court sinon encore. Puis ce combat est tellement épique. Ah. Eh bien tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, suspense et tout et tout. Que va-t-il se passer? Est-ce que Kenshiro va réussir à abattre Rao sans avoir à défaire ses lacets ou à enlever sa veste? Vous le saurez, eh bien, la prochaine fois. Voilà. Allez, salut à tous, bye.